Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous pour ce lundi de la cinquième semaine du temps de carême. Année liturgique B. Du bon Dieu, le verdict de miséricorde. Drame de l'inconduite, il ne se passe pas de jour que la presse ne rapporte des meurtres provoqués par l'infidélité conjugale. Oui, ou le désir de faire violence à autrui. L'Ancien Testament souligne la gravité de ses fautes, tandis que Jésus offre le pardon, fils et filles du bon Dieu. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus sauve une femme adultère de ceux qui l'accusaient et voulaient la faire mourir. Oui, le récit de Daniel nous présente une situation semblable. Daniel, le chapitre 13, versets 1 à 9, puis 15 à 17, 19 à 30, puis 33 à 62, le jugement de Daniel. Fils et fille du bon Dieu, ce conte veut stigmatiser certains hauts personnages dépravés et exalter la fidélité de ce qu'il y a de meilleur en Israël, symbolisé par la charte. La chaste, autant pour moi, Susan, un enfant inspiré par Dieu, réhabilite une innocente en confrontant ses accusateurs. Ceux-ci subiront le sort qu'ils voulaient infliger à leur victime. Puisque justice est faite, tout est en ordre aux yeux de l'homme de l'Ancien Testament. Oui, fils et fils du bon Dieu, aujourd'hui c'est l'histoire de Susan. Oui, elle a été victime de deux vieillards pervers. Oui, la perversion s'installe de plus en plus dans nos sociétés. Oui, accusée d'adultère, elle n'a pas pu se défendre. La voilà condamnée à mort selon la loi de Moïse. Fils et filles du bon Dieu, Dieu n'abandonne personne. Et c'est tous ceux qui sont injustement accusés. Et Dieu est là pour relever ceux qui sont complètement perdus. Alors Suzanne cria d'une voix forte et chacun de nous, c'est notre voix, notre regard tourné vers le Seigneur Dieu éternel. Tu pénètres les secrets. Voici que je veux mourir innocente. Oui, se tourner vers Dieu dans le danger, se tourner vers Dieu lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. C'est Dieu qui est là pour relever chacun de nous. Et ceci, un réflexe chez moi. Lorsque je suis confronté à un danger, il faut dire toujours, Dieu viens à mon aide, fils et fille du bon Dieu. Au lieu de me laisser écraser par mes soucis, les prendre à pleine main, les offrir en les transformant en prière. Toi qui pénètres les secrets, Seigneur, tu sais mes soucis. Oui, en ce moment-là, le Seigneur pourra t'apporter la grâce. Le Seigneur entendit sa prière. Dieu fit surgir une sainte inspiration chez un jeune garçon, fils et fille du bon Dieu. Oui. Injustement, Suzanne devait être condamnée par deux vieillards qui voulaient abuser d'elle, fils et filles du bon Dieu. Mais Dieu est là pour les pauvres, les faibles, les exclus, fils et filles du bon Dieu. Oui, ce n'est pas Dieu directement qui agit. Il agit par un intermédiaire discrètement, sans en avoir l'air, sans que cela apparaisse miraculeux. Oui, non. Cela n'apparaîtrait que comme l'inspiration heureuse d'un jeune garçon. Mais c'est le Seigneur lui-même qui agit. Et caché derrière des personnes ainsi souvent, le Seigneur est là pour nous apporter sa solution. Il apporte la solution par ton frère, ta sœur, celui-là qui est proche de toi. Parfois, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'envoie pour te secourir, fils et fille du bon Dieu. Il faut savoir lire les signes des temps, les signes de la présence de Dieu. Toute l'assemblée bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui, fils et filles du bon Dieu.
croyons en cela. Il nous arrive aussi des situations difficiles où le Seigneur nous envoie des personnes pour relever chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, il nous arrive très souvent des situations semblables. Mais Dieu nous envoie toujours des personnes pour relever chacun de nous, pour que nous ne puissions pas tomber. Mais Dieu envoie des personnes pour nous montrer le chemin. Et cela réveille en nous la foi et l'espérance, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est la démarche du chrétien. Demeurons dans cette foi, demeurons dans l'espérance. Dieu comblera chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 8, les 11 premiers versets. Se laisser aimer par Dieu tel qu'on est, c'est-à-dire pécheur, fils et fille du bon Dieu, le jugement de Jésus. Ce n'est pas une innocente, mais une coupable que Jésus se refuse à condamner. Chez lui, la miséricorde l'emporte sur la stricte justice prévue par la loi. Cette miséricorde n'est pas naïveté. Elle consiste, au contraire, à savoir très lucidement que tout homme est coupable, mais aussi que tout coupable peut, s'il est aimé, s'engager dans une vie nouvelle, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus est assis de bon matin. Dans la cour du temple, beaucoup de gens sont rassemblés autour de lui. Il parle, il enseigne. Voilà un tumulte là-bas. Un groupe d'hommes entraîne de force une femme, oh la pauvre. La foule s'écarte et fait cercle. Elle a trompé son mari. Elle mérite la mort selon la loi de Moïse. Essayons d'écouter. Essayons de voir cette scène au plus profond de notre cœur. Quelle honte elle doit éprouver ainsi, démasquée, prise en flagrant délit. Jésus se baissant se mit à écrire sur le sol, fils et filles du bon Dieu. Certainement, il pensait à ce que les gens voulaient affliger à cette pauvre femme, fils et filles du bon Dieu. Oui, ce sont eux qui insignent. Ils voudraient que le Seigneur puisse condamner cette dame. Jésus resta seul avec la femme. Il se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Parce que le Seigneur va dire, « Celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. » Fils et filles du bon Dieu, on a la facilité de condamner les autres. On juge les autres durement. On est dur envers les autres, fils et filles du bon Dieu. On cherche parfois l'époux à quelqu'un qui a la calvitie, fils et filles du bon Dieu. On indexe, on congosse les autres, on parle mal des autres. Mais Jésus ne nous condamne pas, fils et filles du bon Dieu. Jésus regarde notre cœur, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est un dialogue de toute beauté, de toute délicatesse. Jésus écoute les cœurs. Il ramène l'homme debout, fils et filles du bon Dieu. Oui, à la limite, ce sont les autres qui se sont condamnés publiquement. En avouant leur propre péché, en prenant la fuite, parce que Jésus va dire, celui qui n'a pas péché, qui commence à jeter la pierre. Toi qui ne pèches pas, mais tu condamnes les autres, qui te dit que tu ne pèches pas. Fils et fille du bon Dieu, regarde ta vie. Si tu n'as jamais péché, ça ne serait pas d'indexer les autres, fils et fille du bon Dieu. Oui, moi seul, je ne te condamne pas, dit le Seigneur. Toi seul Jésus, tu es entièrement pur, totalement saint et sans péché. Toi seul connais vraiment ce que c'est que le péché. Non point que tu en aies fait l'expérience, mais parce que tu l'as pris sur toi et payé à notre place. Tu as acquis très cher le droit de dire, je ne te condamne pas, merci Seigneur, de ne pas nous condamner. Car tu as versé ton sang pour son adultère, pour chacun de nous, pour notre comportement, notre congoussa de tous les jours, nos adultères, nos infidélités de tous les jours. Et mais tu es là pour pardonner chacun de nous, merci Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, soyons disponibles, disposés à recevoir cette grâce aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, tes péchés sont pardonnés.
fils et fille du bon Dieu. Ça veut dire relève-toi. Relève la tête et avance. Oui, la résurrection s'approche. Avance avec Jésus-Christ. Oui, tu as passé beaucoup de temps pendant ces 40 jours. Il y a eu des moments où tu n'as pas pu respecter les règles. Non, ne te décourage pas. Mets-toi debout et continue. Il reste encore des jours. Récupère ces jours-là. Sois ferme dans ta relation avec le Seigneur. Fils et fille du bon Dieu, va désormais, ne pêche plus, nous dit le Seigneur aujourd'hui. Fils et fille du bon Dieu, cette parole doit retentir au plus profond de notre cœur en disant que je dois tout laisser pour être avec l'unique nécessaire qui est Jésus-Christ, lui qui apporte à chacun de nous la paix intérieure, la grâce, la bénédiction, la délivrance. Fils et fille du bon Dieu, c'est à lui le salut. Et à nous de recevoir cette grâce en cette journée, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diesse Toulon depuis la... Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire, fils et filles du bon Dieu. Dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipe, Yayo et Tokos en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Semer dans les larmes.